Et vous l'êtes pas sans l'avoir remarqué, mais nous allons avoir un portail qui va arriver sur le jeu. J'ai déjà fait une vidéo analyse si tu souhaites aller la mater et aller la voir. On a parlé du nouveau Whisparking et du nouveau Golden Freezer qui va également sortir. J'allais dire vert, mais c'est vraiment vrai, il est vraiment vert le perso. Le portail arrive jeudi, arrive demain, arrive le 31 mars. Et le portail, il reste jusqu'au 2 août. Le portail reste jusqu'au 2 août. C'est-à-dire que, pour moi, on a clairement un teasing de l'anniversaire ici. Survie d'univers, divin. Ça commence à faire beaucoup. Comme par hasard, il reste jusqu'à après l'anniversaire. Je suis désolé, mais moi, je n'y crois pas. Alors, pas, encore une fois, tout aussi fort que sont les persos, ça veut dire que vous avez 4 mois. C'est ça, 4 mois de single à 20. Vous avez 4 mois de single à 20 sur le portail. C'est juste exceptionnel, les gars. 4 mois de single à 20. Donc, encore une fois, je vais répondre à quelqu'un qui m'avait dit dans l'espace commentaire de ma vidéo analyse. Ouais, tu dis que les gens qui ont une grosse divin, qui ont une grosse LOE, machin, ils sont pas obligés d'invoquer. J'ai eu des gens qui m'ont dit quand même dans l'espace commentaire, non, c'est obligatoire, même pour les free-to-play, il faut invoquer, il faut jamais skip. Mais en fait, vous êtes des fous avec autant de single à 20. Au contraire. Au contraire, aussi fort que sont les personnages, t'as autant de single à 20, tu peux faire des single à 20 de demain jusqu'à l'anniversaire. Franchement, pour les free-to-play qui veulent beaucoup de CC à l'anniversaire, mais n'invoquez pas. Mais n'invoquez pas, même si les persos ils sont top 10. Bah, je veux dire, sauf si t'as une giga LOE. Sauf si t'es main LOE, on va aller voir ça. C'est, voilà, je pense qu'il faut peut-être invoquer. Mais sinon, même si t'as Wiz, enfin, les single à 20, c'est énorme. Faites une ou deux multi et voilà, l'anniversaire arrive dans 2 mois, les gars. C'est pas au moment de l'anniversaire que voilà, j'ai été le premier à dire lundi, oh il y a un portail qui va arriver, c'est sûr, machin et tout. Et il y a des gens qui m'ont répondu, ouais mais moi j'invoque pas, moi j'invoque pas, moi j'invoque pas. Et là maintenant, comme d'habitude, à chaque fois sur DB Legends, il y a des gens qui retournent leur veste. Parce que c'est un Golden Freezer, parce que c'est un Whis, ils retournent leur veste. Mais non, la vérité est que si vous voulez skip, eh ben, il faut pourquoi pas skip. Et on va aller jouer LOE pour vous montrer qu'en fait le perso il va up LOE. Et on se rend bien compte, on se rend bien d'accord, pardon, que le personnage il va être vert. Blast, Théma comme il rentre dans la team. En fait là t'enlèves Freezer rouge qui est bon sans... ah, qui est bon mais à l'heure actuelle tu peux le remplacer. Et tu mets le nouveau Golden Freezer vert. T'as la meilleure team du jeu hein. T'es pas loin d'avoir une des meilleures teams du jeu. Faut se rendre compte que là LOE vous allez voir à quel point c'est juste complètement trop fort en fait. Mais alors si tu rajoutes un vert blast aussi pété que les Golden Freezer, on a vu l'analyse, il est complètement pété. J'ai peur. Ah non, mais moi j'ai très très peur. On va aller tester la team ici pour se rendre compte déjà à quel point c'est fort. Là, il y a moyen qu'LOE devienne la meilleure team du jeu. Et encore une fois, les gens qui vont me dire non, mais il y a Gogeta, je sais pas quoi. Je vous dis, les communs des autres, pas forcément FR, sont tous d'accord et s'accordent pour dire que LOE peut devenir la meilleure team du jeu à partir des prochaines semaines. Parce que ça va être juste exceptionnel. Vraiment, sincèrement. Et je rappelle que en LOE, rien ne t'oblige à mettre un leader ultra si t'as envie, ou un, tu vois, un leader, c'est possible, tu vas pouvoir mettre un leader. Je veux dire, tu mets un Goku Gogen si t'as vraiment t'as envie de jouer double jaune, c'est juste qui sont possibles, mais voilà, enfin il y a des trucs à faire avec LOE, c'est juste incroyable, trop complet, la team. Ah, c'est raciste LOE, hein, vraiment. Allez, c'est parti, bon showcase, go. Bon, y a mon chien qui est là derrière, ça fera face à une green green yellow. T'as envie de me porter chance, hein, t'as envie de me porter chance. Bon, face à green green yellow, je pense qu'on va partir. On peut partir double jaune ou double violet, je sais pas. On va partir comme ça, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain, ça bougera pas. Et c'est que le Freezer Revive ici est pas hyper... on va tester avec Freezer Rouge, mais là demain dans ce matchup là, je pense que tu prends Freezer Vert en vrai. On va tester avec ça, mais ok. Bon allez, c'est parti, on va avancer et on va démarrer cette game avec toute la force qu'on connaît à cette team en vrai. Et puis là, on peut envoyer le Freezer Rouge. En vrai, je pense que demain, il sort de la team. Hein. Je vous le dis direct. Malheureusement, je pense que le perso, il sort de la team. Hein. On va baisser un peu le son du téléphone, quand même. Ok. Ok. Ici, on va réduire le temps d'attente des alliés. Mettre la strike. Et on va break derrière, hein, je pense. Hein. Ok. On va déjà Rising Rush. Bon, pour l'instant, la game... la game se passe très bien, je rappelle que Freezer Full Power détruit une Dragon Ball à chaque fois. En fait, ce qui est très fort aussi, c'est que demain, Golden Freezer Vert va détruire des DB. Freezer Full Power détruit des DB. Freezer Revive, quand il main, après avoir Revive justement, détruit des DB, ça fait beaucoup. Hein. Ok. On va faire exactement le même move que tout à l'heure.
Allez hop, l'ASP qui passe avec Freezer, c'est parfait. Après Freezer va donner un pivot et demain il y aura encore du pivot de toute la team d'ailleurs. Ok, on met les strikes ici. Alors là, le perso en strike, c'est une purge complète. On va pas se mentir, hein. Là les dégâts sont pas ouf, ouf. Mais il manque un pivot, il manque un pivot. Mais en vrai, le perso est bon. C'est juste qu'en strike, il est... on va pas dire non plus que Freezer rouge, un strike est bon. On voit pas comment. Il y a des gens, ils sont capables de me faire dire ça. Non, le perso Freezer rouge n'est pas bon en strike. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est pas une surprise non plus. Ah, bien joué ici. On va laisser. Qu'est-ce que c'est que ce move? Ok. Allez, mettre l'aspé, il va pouvoir switch, ça c'est un peu chiant, mais bon. Nous, on va régénérer notre esquive. Et voilà. Ouais. Ça va être le showcase le plus facile de l'histoire de ma chaîne, hein. C'est déjà une des meilleures teams du jeu, donc... C'est... Ah non, mais vous avez vu, c'est déjà très fort, on parle de green, green, yellow en face, enfin... En fait, LO, c'est la team, si jamais tu veux pas te faire chier en ladder, tu veux gagner, tu joues LO. Parce que LO, c'est fort contre tout. Je sais pas si on aura l'occasion de croiser Futur, mais c'est aussi extrêmement fort face à Futur, en fait. Donc... Ah bien joué, bel tempo. Et là on va l'obliger à aller RR, donc bon. Partir de ce principe là. En plus ça, vous avez une cover blast dans la team, une cover strike, Freezer vert demain, il va mettre des tartes de l'infini, il va avoir un boost de dégâts de spé, sachant qu'il y a des spé dans la team. Enfin, le perso il, à première vue comme ça il s'intègre mais beaucoup trop bien en fait, genre vraiment. Allez. On gagne cette game, bon la chance du contre, mais en vrai ça aurait pas changé de ouf la game. Hello les gars, pour ceux qui sont fans de la Hello, demain ça va être exceptionnel hein. Vraiment, ceux qui main LO absolument, oui, vous allez invoquer. Ça, on va pas se mentir. Si vraiment, c'est ta meilleure team de voilà, que tu veux jouer LO. Dans ce cas-là, ok. Mais attention, l'anniversaire, on n'est pas prêt. S'il y a des ultras, migatés, maîtrisés, faut avoir des CC. Bah tiens. La team, la petite team divin. Ok. Moi, j'ai trop envie de prendre là, la même chose que ça et comme ça. Voilà, là, c'est plus ou moins le move parfait quasiment de ce que j'ai envie de prendre. Et je vous dis demain, tu rajoutes le Freezer vert qui va être un des meilleurs personnages parking du jeu. Ça va être. Kaioken, c'est parti! Ok. En vrai, il a le match-up parfait. Hein. Sincèrement, là, on peut pas dire. Il a le match-up parfait. Hein. Oh, il a même. Il a mis la blast quand même. Hein. Il a quand même mis la blast. Et sachant qu'il a une team strike ici, il va strike derrière. Ouais. Ok, c'est bien joué. On lui a cut une DB. Donc j'espère qu'il. Voilà. Là, vous voyez, Fooper qui tank bien. Il n'y a pas de problème. Oh putain. C'est impressionnant. Et on parle de Goku quand même, Kaio. Putain. Je rappelle le perso il a un soin au bout d'un moment, enfin. Bon le combo de Kaioken est juste littéralement stupide en fait. Normalement. Perfect dodge derrière, bon. On va laisser passer hein, la foudre, on va dire. Parce que là c'est juste. C'est nimp. Aïe. Bon il sera jamais surpassé. Voilà. Est-ce que tu veux t'arrêter de taper ou non? Je vais me faire perfect, P. Non mais ça. Il m'a fait 3 vertes là déjà. Il a pas bougé là je crois. Alléluia. Bon les dégâts de Fooper là. Ok. P. Un vert pardon. Regardez le temps d'attente sur les alliés. Et là on va inverser les switches et là ça va pas être la même du tout. On va break ici. Perso qui a vitesse de pioche plus 2. Et là il est obligé de donner Vegeta vert. Bon bah c'est le début de la fin déjà. Regardez hein, regardez ce qui s'est passé. Double vert de Freezer, t'inverse et switch. Le perso du coup il a ses deux vitesses de pioche de boost d'entrée en scène. Pardon mais quoi? Sérieux? Mais sérieux, mais non, mais... Ah, cette game de merde. Bon, ouais, c'est un sortir sans RR. Si on s'en sort sans RR, là, c'est abusé. Hein. Vraiment, là, c'est vraiment que la team est complètement au-dessus, hein, parce que... On va s'en sortir sans RR, sans ulti, sans main ulti de full power. Enfin bref, on a tout qui est pas de notre côté, là. Ouais, donc là, il va être obligé de lâcher... Voilà, hein. Il est obligé de lâcher une sauce, parce que là, il arrive pas à nous tuer. Et je sais même pas s'il tue Freezer Revive là. Sincèrement, je sais pas. Non, mais c'est extrêmement fort. Hein. Je veux dire, là, il a, pour l'instant, il a tout pour lui. Hein. C'est-à-dire qu'il place son ulti, il a fait un combo de fou. Pour l'instant, il a absolument tout pour lui. Donc, c'est là où il va falloir faire attention. Parce que là, maintenant, on peut prendre un petit peu la sauce. Mais... Le kill ici, on va blast direct.
Il est trop fort, Freezer Revive. Mais t'es mort, regardez, on a encore un 1v3. Non, mais la team est trop forte. Là, on détruit des DB encore. Donc, il peut encore pas me RR. Et demain, ça sera pareil. Oh, j'ai peur de demain. J'ai peur. Oh là là, les dégâts, mais sa mère. Faut se rendre compte comment j'étais derrière dans la game. J'étais derrière, mais avec une team normale, t'es derrière, mais largement. Mais LO, c'est. Oh, c'est trop facile, vraiment, c'est trop facile de jouer LO. Et demain, mais. Ouais, demain, j'ai hâte, hein. Sincèrement, c'est. Les gens. Enfin, je veux dire, on peut pas contredire le fait que LO demain soit là où. Soit la meilleure team, soit la deuxième meilleure. Je vois pas comment c'est. Tu peux pas contredire ça, genre, c'est pas étonnant là, c'est trop fort, LO. Tiens, les gars, on va affronter Fusion. Bon, je viens de passer deux games cauchemardesques, hein, vraiment, où compte de RR, c'était un truc de fou, du coup. Aïe, il y a des games, c'est chaud. Mais, ah là, c'est pareil, il y a Gogeta 4 qui est fort. Là, Freezer demain, il serait trop fort face à ce matchup. Genre, vraiment, Freezer face à ça demain, il serait trop, trop fort. On va quand même le prendre. On va quand même prendre Freezer pour avoir un revive parce que c'est excellent. Mais c'est vrai que demain, la Freezer vert est un must-have. Bon, allez, c'est parti face encore une fois au trio peut-être des 3 meilleurs persos du jeu. Donc, bon, rien que ça, quoi. Ok, on va lâcher toutes nos blasts. Il a pas 4 blasts, donc ça, c'est cool. On voit les dégâts qu'il prend déjà. Ok, donc là il prend déjà extrêmement cher le perso là. Enfin, Gogeta 4 là, ça c'est des bons dégâts qu'on lui met. Hein. Ok, hein, ça va nous donner une blast supplémentaire. On aura peut-être une DB supplémentaire, non même pas, mais. Ok. Ça c'est cool. Ah, il se jette de ouf en face. Il se jette de ouf, on va break ici. Ah non, je vais même pas break. Bon bah, c'est tant mieux, il y a des mois comme ça. Il est le jeu, il est avec toi. Là cette fois-ci, il est avec moi. Bon, il a. Il a rage quitte là, non? Ah, c'est. Ça va rage quitte, non? Parce que là, c'est juste insolent, là. C'est. C'est trop fort, Halo. Hein. Regardez-moi, Théma, les dégâts qu'il met, Full Power, mais. Le perso, il a même pas tous ses boosts. Enfin, c'est juste n'importe quoi, hein. C'est. Heureusement. D'ailleurs, demain, Freezer, il donne pas de pivot. Tiens, c'est exceptionnel pour un perso Halo. Un perso Halo qui ne donne pas de pivot, c'est tellement rare. Mais là, t'es dans une merde, mon gars. Alors j'aime bien Kaioken, hein, mais ah, t'es dans la sauce, parce que là j'ai des DB à détruire, si jamais tu tues Revive, je vais encore détruire des DB. Ok. Je sais pas si là... Je me fais avoir assez bêtement là. Faut faire gaffe au Kaioken, parce que bon voilà, c'est un des seuls persos qui peut te 1v3 tellement facilement. Il a régène sa TP, c'est pas trop grave ça en vrai. Là maintenant il faut juste que je l'attrape, hein. J'attrape, j'ai win parce que j'ai les blasts, elles vont faire trop mal là du Freezer Revive, ils vont pouvoir commencer. Et derrière c'est que j'ai la visée de poche avec eux. Il a encore sa TP, enfin c'est juste une blague. Parce que là il a même pas régène avec Bon ça commence à faire beaucoup là. On a une DB à détruire encore ou pas, je m'en rends pas compte, je sais pas. Stop. Anti-cover, mais je mets Freezer plutôt pour tanker qu'autre chose. Tiens, descend. Là, ça commence à être un descente ultime. Il est en train de me foudroyer. Combien de Goku Kaioken pour te foudroyer? Non, là, c'est juste lunaire. Par contre, il a regagné sa TP vraiment, pour le coup, en restant fond de map comme ça. C'est quoi? Attendez, il a encore régène sans ça. Non mais là, deux fois, faut peut-être pas abuser là. Je vous ai pété les oreilles, non? Il y a un moment, faut pas abuser là, le perso là. Il régène sa TP à l'infini ou ça se passe comment en fait? Genre sans... En fait, lui, il régène sa TP sans la jauge, c'est une nouvelle mécanique. Sympa. Ok. Bon. Il est trop fort. Vraiment, fou peur là, il est trop fort. La team LO est trop forte. Bon, il a failli me détruire avec le Goku Kaioken, mais on a l'habitude. Mais enfin, c'est. Ouais, pour moi, c'est une des meilleures teams pour monter dans le ladder. Je sais pas, vous, la team que vous avez à utiliser si vous voulez monter rapidement dans le ladder. Moi, je pense qu'LO, c'est peut-être la meilleure pour moi. Je pense, enfin, genre, de mon style de jeu et tout, je trouve. Enfin, c'est à tout point de vue, en fait, les destructions de DB. Et demain, ça va s'envoler encore. Putain, mon chien, il est dans un état, frère. Il est dans l'état de son Gogeta 4, je crois. Et encore un Goku Kaioken. Ce qui est bien, c'est que la team est blast. Et ça, c'est pareil, c'est un point fort à la team, c'est que on croise énormément de Kaioken Ultra. Et du coup la team est blast, donc le lock des strikes est moins embêtant. Vraiment. Et pour le coup il a pas le Vegeta LF vert. Ouais non, là on a un matchup de fou, hein. On a encore une fois un bon matchup pour nous. De toute façon LOE c'est un matchup quasiment sur tout. Je veux dire, regardez demain cette team là,
quand il y aura Freezer vert. Ça va être trop fort, tout simplement. Allez, let's go. Putain, la LOE quand même aura été délaissée pendant au moins un an l'année dernière, je crois, de mémoire. Et alors voilà, maintenant on peut pas dire qu'elle est délaissée, hein. Putain, c'est impressionnant. D'ailleurs, c'est vrai qu'avec Beerus, il y a deux locks de cartes. C'est fort ça en vrai. J'avais pas pensé avec Beerus. C'est vrai que je joue souvent. Enfin, ça m'arrive de les jouer ensemble, mais j'y pense pas pour mon adversaire. On met Freezer là-dessus. Bien joué. Deuxième pas de côté. C'est de ma faute, ça. C'est bien joué de sa part. J'aimerais pas me faire éclater le revive en fait. C'est vrai, le revive, je l'ai que 7 euros. C'est bien, mais il m'a détruit. Ah oui. Si t'as 2 spé en main, il détruit les 2 spé. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Il va... S'il verse, tu es une merde. Aïe aïe aïe. Oh non, mais putain, mais en fait. Quand je prends la misère dans les games, c'est tout le temps à cause de ce putain de perso trop fort. Bien joué. Alors s'il strike ou blast, j'ai une cover. Hein. Bah, c'est pas possible. C'est pas possible. Ok. Il a fait un bon recover en fait. C'est bien joué pour lui. Putain, il est dans ma tête. C'est vert ici. Putain, mais on se fait éclater toutes les games en fait, c'est incroyable. Genre, je me fais ridiculiser toutes les games, c'est ça. Le but de showcase, c'est que mes adversaires me ridiculisent. Tous mes moves ne passent pas, c'est incroyable. Va falloir peut-être changer de manière de jouer pour embêter. Putain, c'est un truc de ouf. Ok. Ça passe pour nous, on va pouvoir arrière. C'est bon! C'est peut-être notre moment. On va mettre le maximum de cartes ici pour que le lock de Beerus soit le moins chiant possible. Ok. Allez, c'est parti, Rising Rush ici. La force de la team LO aussi, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est le RR sans problème. Et j'espère que je me fais pas contrer sur l'aspect baron. Oh, c'est chiant. Allez, on va tuer ici. Trouver un mec plus modiquement en PVP, s'il vous plaît. Ah, c'est pas trop embêtant en vrai. On peut laisser taper. Bon, et là, regardez. Je pense que c'est là où la game est en train de tourner. Pour moi, c'est peut-être là où la game est en train de tourner de notre côté. Parce que là, regardez, le revive ici va être pénible à tuer. Lorsqu'il va le tuer derrière, le perso va être trop fort. Il aura encore une carte. Et le main. Enfin, l'ulti. Ok. Pourquoi pas. On va lui réduire le ki ici derrière. Je pense qu'on va aller tackle derrière en vrai. Je pense qu'on va aller tackle. Si jamais on le touche, je pense qu'on gagne quasiment la game. Parce que là, on va faire très mal. Même avec Poupa, il va faire très mal. On a encore le main ulti avec le perso. Une strike. Mauvais. Putain, c'est pas ma game. C'est pas ma game. Ça va aller, les gars. C'est pas ma game, mais ça va aller. Il faut un moment, ça va tourner. C'est sûr. Perfect dodge. Il va détruire mes strikes, je me fous de rien. Allez! Allez! Oh, c'est incroyable. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. On va aller détruire les DB parce que là, je suis sûr, il y a quasiment le RR en vrai. Hein. Franchement, vu ce qu'on prend. Si je m'en sors dans cette game, je sais pas comment. Il a enfin fait une erreur, les gars. Let's go! Destruction de carte. Impossible. Impossible, il est le RR. Je lui ai détruit 2 DB, là. 2 ou 3 DB. Full power, ta vitesse de pioche plus 2. Le kill, là. Et les games sont pas faciles parce que les adversaires sont excellents. La vérité, ils sont très 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 forts. Donc bah voilà, j'espère que le showcase vous aura plu. On va se dire à très vite sur la chaîne YouTube pour demain. Surtout pour les invocations, pour essayer de dropper ce Freezer qui va être incroyable. Mais en tout cas, c'était cool parce que je trouve que c'est pas...
Genre vraiment un match-up, un showcase où genre t'es en mode tu détruis tout et on se termine à le showcase. Là, les games sont arrachés quand même, c'est des games à l'arraché. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que réussir à gagner ces games qui sont pourtant autant défavorables que ça pour toi, c'est assez énorme. Je veux dire, c'est assez énorme. Toutes les games quasiment sont défavorables pour ma gueule, sauf peut-être la première et celle de face à Fusion. Et pourtant je les gagne, et pourtant j'ai rien du tout qui doit faire que je les gagne. Mais bon, j'espère que ce showcase vous aura plu, on se dit à très vite. Speaking in tongues, snake like, don't die, you on the run, travel.